et on peut partir sur le point du sable. Mais encore une fois, ville de Chicago, par exemple, suspendre, rendre ce hommage pour effort ça. Intersection Michigan Avenue avec Illinois Avenue et à droite on a le journal, le journal et Chicago et Chicago Tribune. Donc là nous sommes exactement sur ce point là et en bas là il y a un bateau là qui a passé dans le fleuve là, c'est le Chicago là. Et ça c'est tout, ils sont venus très touristiques, en plus on a marché, monté, descendu là. Et il y a un petit bateau mouche qui a fait des gens flâner. Donc soit habitué forcé de visite, il y a des côtés qu'on doit aller pour qu'on est normalement ou qu'on fait visite et puis au carabin monter en bateau mouche. Et par exemple soit à Paris, ou capable de visiter la Seine, ou capable de visiter sur la Seine, sur l'itération DC, ou capable de visiter Potomac, ou capable de monter sur le fleuve Potomac là pour flâner. Et puis au pays au bas autour. Donc voilà, nous là, nous ici à là. Alors pour ça que nous venons de Chicago encore une fois. Moi je crois que ça fait 3e année depuis ce service là. Kembe initiative là justement pour permettre que VOA vienne pour décoller avec organisation qui fondée encore Heritage Foundation qui est du Sabla, que vous mettez sous pied pour faire un statut pour honorer et travailler ça au bien pour ça. Jean-Baptiste Prince du Sable fait. Voilà, c'est vraiment dans le cadre tout ça. C'est ça, tu. C'est portrait. C'est façon que je dis que monsieur. En fait, c'est comme ça que je dis l'été. L'été vient là, l'été débarqué dans le fleuve Sakide, dominant là, au côté là, depuis devant. Et c'est là qu'il est débarqué. Et je dis que monsieur, c'est mort. Et dans le pays d'Haïti, c'est un explorateur. Surtout, c'était un homme d'affaires. Monsieur, c'était. En fait, il y a un pile adjectif que vous mettez. Avec justement pour parler de qui est ce monde qui était Jean-Baptiste Prince du Sable, qui est un commerçant. Et, mais on dit que c'était monsieur qui les bonjour, on savait, il prend un bateau et puis il prend un canon et puis il prend une direction. Et direction prend, direction mène exactement dans la ville. Et c'est monsieur que l'histoire même dans Chicago, il reconnaît comme premier résident de la ville. Là. C'est pour les gens qui viennent, qui découvrent, qui font des villes là, parce que les villes là existent. Ils existent, mais ils existent sur l'autre côté des gens. Il y a des gens qui habitent là-dedans, mais là, M. Vini, là, son côté que, qui a fait commerce, son côté que, qui a opportunité là-dedans, m'a pris là et m'a fait là, m'a changé là. Et c'est ça que, exactement, il était fait. Mais M. Mouin, dans son tout, il va jamais retourner en Haïti tout après. Après le film de Félicien. Donc, pratiquement, j'ai battu Félicien pour en 1818. Donc, ça veut dire que M. Degué, M. fait en 1745 et M. Mou en 1818. Donc, M. pratiquement Degué et 73 ans. Et, donc, M. Degué a pédalé toujours, mais il y a des grands paquets de circonstances qui devaient présenter tout. Là, M. Vini, il y a des conflits tout avec et l'autre monde tout qui voulait pour des prendre paternité. Et l'initiative d'IA, et bien, pour ne pas qu'il y ait été même dit que monsieur, même qu'il est même fait prison, même monsieur marié, monsieur était marié avec un natif natal, zone, et monsieur vient déplacer, quitter là, la l'autre côté, retourner. Mais quand il y a des gens qui font des efforts, que je me parle avec le comité organisateur, le monde qui est dans la fondation, j'ai fait un effort pour aider, ouais, j'étais capable de venir avec 100 monsieur, ça veut dire que reste côté que nous tentons, monsieur, après, je viens avec elle. Ah, mais c'est comme ça, et plus ça dans le cadre, c'est effectivement, c'est nous, en fait, nous espérons que nous sommes américains d'origine haïtienne, nous sommes Leslie Bénodin. C'est Leslie Bénodin, c'est lui-même qui était pris l'initiative là, c'est lui-même qui était fait plus ça, elle était fait mairie à Cadol, mairie Chicago à Cadol, pour être capable de kembe et héritage. Fondateur ville là. Donc, Wesam Ninoa, donc c'est un Américain d'origine haïtienne qui fait plus là et il débarque. Et c'est laissé à mon petit magistrat et ville là, c'était Richard Daly, qui est magistrat ville là. Mais
Et ça va bien, m'a dit nous de Jean-Baptiste Point du Sap, monsieur pratiquement son Africain caribéen, parce que c'est comme ça de présenter le début, monsieur son West Indies que le dé. Et bien pratiquement monsieur est fait dans Ville Saint-Marc. Il était fait dans Ville Saint-Marc, donc monsieur historien haïtien qui a fait recherche, dit bon pour nous chercher une racine Jean-Baptiste Point du Sap dans Ville Saint-Marc, ou qui voit exactement ce qu'il était fait. Mais la recherche continue toujours pour joindre vraiment racine et point du sable dans ces magos. Mais les gens qui sont ici, qui font l'organisation, qui font la recherche ici, et bien, je que M. c'est un médecin qui est fait. Et M. est fait là, et M. est là pratiquement, par contre, date, mais on dit que dans l'année 70, M. est ouvert premier commerce. Dans fleur ça n'a gardé des domaines dans la guerre qui là monsieur était ouvert premier et commercial là même monsieur était venu dans ce moment là et monsieur était ouvert là et c'est comme ça monsieur était venu établir dans Chicago. You want to say something? Non? C'est you sure? Yeah, it's okay. Come on in. Do you know pour les baptismes du sable? Demandez le seul comme les baptismes du sable et oui. Non, on va connaître. Ok, d'accord. Et oui, donc pratiquement c'est ça que je viens. Donc monument ça, c'est monument ça que je vais à Chicago et voilà, et c'est monument ça. Et pratiquement, il est établi depuis 2009, mais Chicago était déjà reconnaître et accepter Jean-Baptiste Point du Sap comme fondateur. Alors il faut qu'on fasse pour mettre monsieur au niveau qui plus élevé. Par exemple, côté grand-père là, c'est pour ça qu'il peut des noms. Il veut des noms. Non, Jean-Baptiste Point du Sap. Petit point en seul. Mais déjà, une victoire pour les gens qui ont fait recherche pour l'organisation. Quand ils font l'autre, ils font l'autre cadeau, ils font l'autre réalisation encore que City a encore fait Point du Sap pour l'honorer. C'est le Lakeshore Drive, c'est une rue. Et dans ce moment-là, mais les short drive, mais ajouter là dans le cognac là, les short points du sable. Alors imaginons que nous avons parlé avec un Africain-Américain que moi copié, et puis je parle avec lui, je suis par contre, point du sable. Alors il parle de M. Point du sable, il parle de l'autre sinon, c'est bon. Monsieur, par contre, monsieur dit, oh, bien sûr, et bien ça, il parle de les short drive là, que vous venez ajouter. Et Jean-Baptiste Point du Sap là-dedans. Monsieur dit, mon cher, il était temps pour te faire bail, ça va passer. Monsieur était en pile bagage pour ville là, il découvrir là, il fait parler de ville là. Donc il n'y a pas de temps pour connaître ça pendant longtemps. Et il dit, il était temps pour faire ça. Faire. Alors, organisation qui est censée être Heritage Fund, Jean-Baptiste Point du Sap, Heritage Foundation, lui-même, qui propose avec plus fort là-dedans, qui c'est des Haïtiens, mais eux-mêmes, ils ont. Et chaque année, ils font un événement, ils font un bail pour rendre Jean-Baptiste Point du Sap et hommage, pour un hommage. Mais il a fait ça qu'on y a justement. Parce que si monsieur était vivant toujours, nous imaginons monsieur a bien 278 ans, et cela, et dans la date, on parle avec nous là, demain 19. Là. Monsieur a bien 278 ans. Mais monsieur vive assez parce que monsieur, au moins, monsieur Grand vive. Et il fait en 1745 en Haïti. Et il n'y a pas qu'à jouer dans qui l'a pris ici. Mais on connaît que monsieur était dérapé dans les années 70. Donc, c'était un jeune garçon qui était chargé à fou, chargé avec et énergie. En années 70, c'est que là, monsieur était pris en route là. Mais on n'a pas qu'à jouer exactement écrit que j'ai fait pour les dire. Et péripéties étaient passées, qui ont des difficultés de rencontrer. Et mais chaque année, au fond, bah, on a un hommage demain, encore samedi, demain samedi 19 août, là, et l'organisation font l'autre hommage pour lui. On a quelque chose pour nous parler avec l'organisateur et les gens qui sont responsables de l'association. Parce qu'il y a plusieurs bagages qu'il a ici, là, qui sont pour avec Haïti. Haïti, ça veut dire que Chicago a une relation. Bonne relation avec Haïti. Par exemple, il y a un ambassadeur aux États-Unis en Haïti, de Frédéric Douglas. Monsieur Gon Pavillon, là, il a fait exposition universelle. Et dans Chicago, c'était en 1893, je me suis dit que moi, je me suis toujours.
en 1893, l'État fait par l'expression universelle là. Et bien, Haïti, c'est un pavillon qui a été réservé pour lui. Et Frédéric Douglas, qui c'est un ancien esclave, qui vient jouir de cette liberté, bien, monsieur, vient mettre liberté en jeu, monsieur, défendre Haïti. Il défend, il dit nous-mêmes, qui tout le monde a alors ma bonne phrase, dans tout ça que je te dis. Il dit nous-mêmes, nous, si nous avons un calibre, je dis, c'est grâce avec. Peuple ça, il y a Haïti, grâce à eux-mêmes, qui fait que je dis à nous-mêmes, nous sommes libres pour nous parler, nous sommes libres pour nous faire débat. Si les Frédéric Douglas, nous faisons des Douglas, nous sommes esclaves, il s'est venu écrivain, monsieur vient conférencier, et bien monsieur était porté, monsieur Haïti, monsieur tout devenu représentant États-Unis en Haïti. Alors, dans l'exposition, hein, que ma biche chasse nous présente, non, et pavillon ça, qui est réservé avec le Haïti, côté que, et information, mais document que je n'ai dans la librairie, dans la bibliothèque congrès américain, parce que, rappelez que si nous faisons bagaille aux États-Unis, mais on va connaître l'histoire du pays d'Haïti, puis dans le congrès américain, pour dire. Si nous faisons vraiment ça, l'histoire d'Haïti, aller dans le congrès américain, et allemander livre qui vient, ça qui est pas qui gagne document et bien laisse-moi accuser et vous pouvez voir qui ça a édité et qui ça a édité et vous pouvez faire comparaison à vous-même. Donc voilà, c'est objectif visite ça, objectif ça qui fait moi la jeudi. Alors, je peux remercier pour ce service et lui-même tout. Il est intéressé parce que ça fait déjà et nous sommes venus ici en 2021, nous sommes venus là en 2022, c'était Valérie Saint-Denis qui est venu et je dis à moi-même en retournant. Pour nous vivre justement et pour
décollé avec l'organisation. Pour décoller justement avec l'organisation, justement parler de ça qu'a fait et qui j'en ai fait. Et puis l'organisation, ça a tout dit même tout, il fait d'autres activités, il a fait de l'argent, il a collecté, il a fait du fundraising, il a amassé l'argent pour bailler des bourses d'études, bailler des bourses d'études avec Timoun et démunis, ou bien Timoun qui n'a pas les moyens nécessaires pour continuer l'école, mais moyens économiques peut-être empêcher ça, mais eux-mêmes, ils baillent. Je vais aborder des sujets ça tout avec M. Nicolas ou bien n'importe quel membre d'organisation eux-mêmes qui peut venir parler avec nous de ça. Et puis je dis à tous ceux là, on a fait émission et radio sur télévision, que c'est l'économie là, n'a pas pour nous faire là-bas. Donc, on va parler un petit peu de ce qui a passé exactement, qui a pu parler là. Mais là, c'est vraiment, c'est une saison touristique, tellement de monde, qui a passé, et parce que si on a une idée de penser que une grande circulation là, qui a fait là, ouais, c'est vraiment, par contre, si on est capable de faire nous, une idée au moins de circulation là, là on va nous voir de mouvement captivité là, de ce côté en face nous on a regardé le journal et Chicago Tribune, on va dire que Chicago a pratiquement tout ça on a besoin là-dedans, d'ailleurs rappelez nous c'est la troisième plus grande ville américaine après New York et qui l'autre ville encore nous songeait Los Angeles. Alors, dans l'État Illinois, c'est la plus grande ville qui gagne, plus grande ville là, c'est la capitale. Et ça tourne de ces plus grandes villes. Et puis, nous l'autre façade, encore, on a pensé de gros gratte-ciel. Gros c'est de gros gratte-ciel qui là. On l'autre petite idée encore sur sous le pont que nous là. Alors en bas pour moi sont ces fleurs qui avoir passé là-dedans qui descendent Calbino, hein, que oui, c'est pas des bains. Donc je vais dire que ça, c'est l'humé et on va voir que le monde qui vient là, et puis nous passer, que nous qui. Il y a attention parce que c'est bon, bah, on a tout, on est souvent, on bus qui s'ouvre au pont. Et tout le monde fait un petit campagne au lit, parce que le petit gars est gratuit pour le cavalier. Et bien, il y a lit exactement ça cap, dit, et qui est-ce qui, je vais dire que c'est un petit soit chercher. Faites une recherche par nous, et bien, on a besoin exactement, monsieur, ça, bus, ça, dans le garden, là, que c'est ton l'autre haïtien américain qui t'a offert ville là, et mon qui t'a fait bus, ça, lui-même, monsieur, et mon qui t'a fait ville là, lui-même, alors, les Sibénodin, lui-même, c'était, il t'a offert ville là, et bien, lui-même, il t'a fait tout ça, que t'es connu pour justement, que t'es quatre jours, Kembe. Et Kembe Legacy ou bien Kembe Héritage et je vais dire ça avec la fondation qui côté non li. Alors on n'a pas un devis de Chicago qui a tout ça qui regarde dans la Ligue 1 équipe football. C'est Chicago Fire, équipe football c'est pour le ballon. Équipe football c'est pour le carrito, c'est Chicago Bear. Il y a équipe basketball, nous appelons le fameux Michael Jordan, Chicago Bulls. Et c'est ici à Fleur Soussitou. On a quitté brillé dans les années 90 avec Chicago Bulls, et alors Michael Jordan, Scottie Pippen, et pour citer ça, ça a passé tellement longtemps, il y a Dennis Rodman, et je ne sais pas, meilleur jeune équipe là, même si c'est un joueur qui a contribué dans côté et contribution, bien tout titre que l'équipe là a remporté, alors que Michael Jordan avec Scottie Pippen, avec l'autre monsieur, c'est eux qui étaient censés venir d'être là. Eh bien, c'est vite ça que nous parlons de lui un petit peu. Et nous avons besoin de monde qui vraiment savait dans le domaine, mais c'est vraiment des gens qui peuvent parler un petit peu. Je vais camper là, moi, merci tout le monde. Je dis à rappeler, c'est week-end, je dis à c'est vendredi. Et puisque c'est week-end, nous connaissons pas, nous pas qu'à faire. Nous pas à conduire, si après nous finissons de consommer alcool. Et tous, si nous consommons alcool, nous pas à conduire machine. Donc, c'est un non-non lié, pas de négocier, non, ça. Vous voulez conduire machine, pas consommer alcool, vous voulez consommer alcool, pas conduire machine. Et vous même si vous êtes passager, vous n'êtes pas obligé de nous machiner dans le monde qui finit de consommer alcool qui est là-bas. Voilà. Donc je vais quitter nous là aujourd'hui, je vous salue tout le monde. Je dis nous, bon week-end. C'était depuis Pont Jean-Baptiste Point du Sable là, Chicago, Illinois, Jean-Baptiste Philippe Carseille, toute l'équipe Service Girl là qui est dans Washington.
président nous-mêmes et nous-mêmes tous les spectateurs qui sont à côté nous en Académie Nato pour une grosse salutation. Bye bye tout le monde. Nous avons dit à l'heure, on commence à faire le comité de l'avenir pour l'autre émission qui a venu pour nous parler davantage. Bye bye.